Bonjour, Loïc Vanlin, responsable technique événementiel FANUC. Je vous propose une visite de notre stand. Alors, nous avons sur notre stand une première machine qui est une nouvelle presse à injecter, RoboShot, donc qui est équipée ici avec son robot FANUC LRMET qui permet de faire le chargement-déchargement de la machine. Particularité de cette nouvelle machine, elle dispose maintenant de son nouvel IHM qui est un 21.5, donc nouvelle commande numérique, et qui va offrir de nouvelles possibilités de connexion directement avec le robot, donc du tout intégré directement en solution FANUC avec du FLNet et des nouvelles pages développées directement pour la customisation du produit. Ensuite, nous arrivons sur une solution robot drill plus CRX, donc CRX qui est le cobot FANUC, la nouvelle génération. Et le CRX est ici dans une application de chargement-déchargement de la machine, mais en gardant une autonomie au niveau de la machine, puisqu'il n'y a aucune connexion entre le robot et la machine robot drill. Tout se fait par l'intelligence de la vision sur le robot, qui va relocaliser en 3D où se situe la machine, qui va également être capable de détecter du coup où sont le bouton d'ouverture porte, fermeture porte et départ cycle, qui vont permettre au robot d'ouvrir lui-même sa porte, d'aller charger la pièce, la décharger et d'ensuite repartir en cycle. Ce robot, le CRX, je vous le montrerai plus en détail à côté, mais il est équipé de la nouvelle interface de programmation FANUC, en IHMI avec programmation par icône et des mouvements très simples. Ensuite, on arrive sur les robots de la gamme Scara. Ici, un SR12. Au niveau de la gamme des SR, on va de 3, 6, 12 et 20 kg de charge au niveau du robot. Ici, vous avez la version 12 kg. Il y a également des versions disponibles en agro et pharma, équipées de chaussettes de protection au niveau de la vis à bille pour éviter la pollution des éléments. Donc voilà, donc ici, la version 12 kg. On est sur du pick and place en emboxage avec des solutions un peu rapides dessus. On arrive ensuite sur notre nouvelle CIC 600 qui est la nouvelle RoboCut, donc découpe fil électro-érosion, donc un des métiers de FANUC. Au niveau de la gamme, on a une 400, 600 et une 800. Ce qui va changer, ce sont la taille des plateaux et des envergures de Z en coupe. Alors là, la nouveauté, c'est un nouveau design de la machine au niveau de la conception des tables croisées, un nouvel IHM pareil avec une nouvelle CN, un peu plus compact dessus. Voilà. Donc après, on a notre espace de convivialité, hein, le bar, avec faut pas hésiter à venir. Nous avons nos solutions ici de ZDT et MT-Link. Donc ZDT et MT-Link, ce sont les solutions pour tout ce qui est maintenance prédictive. Donc la partie ZDT qui concerne plus tout ce qui est la partie robotique. Donc ici, vous avez en live les showrooms de nos deux bureaux à Marna ou à Lys, en région parisienne et donc en Haute-Savoie. Où on a nos machines et nos robots qui sont connectés. Et là, vous allez avoir toute la supervision des machines et également les informations sur qu'est-ce qui va arriver dans les éléments dans les mois à venir ou les semaines en fonction de l'utilisation des robots. Le MT-Linky, lui, est plus basé aussi sur tout ce qui est machine et on va pouvoir connecter tout ce qui est commande numérique, mais pas seulement du FANUC. On va pouvoir connecter également des éléments tierces. Donc là, c'est la surveillance des parcs pour la maintenance prédictive. Ensuite, on arrive dans une petite zone qui est la zone plus commande numérique, mais également éducation, où là, nous avons ici notre cellule éducation avec un LRMET. Donc, c'est les cellules qu'on propose aux écoles qui veulent former à la robotique. Donc ici, vous avez un ER4 qui est le robot pour l'éducation nationale. Équipé avec une petite application métier. Le robot est équipé également de la tablette, ça c'est la nouveauté du salon, c'est qu'on est capable aujourd'hui de programmer comme un CRX nos robots jaunes avec une tablette et de la programmation intuitive par bloc.
Vous avez ici la cellule éducation, mais commande numérique. Donc là, on a une table croisée, trois axes, et on vient simuler un petit centre d'usinage, donc avec la commande numérique 15 pouces. C'est le gros avantage, c'est que ces cellules sont compactes, elles passent par des portes de salle de cours et elles s'alimentent en 220 volts monophasés. Ici, c'est le Power Motion. Alors le Power Motion, c'est l'automate FANUC pour les machines spéciales. Donc voilà, on a différents éléments, de l'évitement de cam, de la synchro d'axe qu'on va pouvoir faire avec le Power Motion, donc notre commande numérique. On arrive ensuite donc à notre espace CRX. Donc les CRX, hein, les nouveaux cobots designés par FANUC, donc avec ici le CRX équipé en soudure, donc avec le métier soudure, possibilité de faire de l'apprentissage de trajectoire, du guidage manuel, différents éléments. Là, vous avez un CRX bras long qui est équipé avec une caméra 2D et qui nous sert à faire des démonstrations live de programmation sur le stand. Et ici, vous avez donc une petite cellule avec un SRX 10IA, mais bras court. La différence entre celui-ci et celui-ci, celui-ci c'est le bras long. Là, on est sur un rayon d'action de 1400 mm environ. Et là, on est sur un rayon d'action de 1200 simplement. Et là, on est sur une simulation de chargement-déchargement de machine où le robot va, pareil, ouvrir comme pour la drill, ouvrir tout seul la porte, charger la pièce, fermer la porte de la machine et repartir en cycle derrière. Voilà. Donc voilà le petit tour de notre stand. Je vous invite à venir nous voir sur le stand et passer une bonne journée et un bon salon. Comme là sur le système équipé en soudure, je vais pouvoir déplacer directement au robot.
je prends mon robot, je l'emmène dans la main et je vais l'emmener là où je veux pour prendre mes trajectoires. Je vais pouvoir apprendre du point par point, du nuage de points directement. Et c'est très simple. Et je suis là, j'ai emmené mon robot à un endroit, je vais chercher un icône point, je le fais glisser sur la timeline, je l'emmène, j'en crée un deuxième, un troisième, j'ai créé une trajectoire avec trois points. Je suis là, je veux voir la trajectoire, j'ai un player, je fais run, oui, mon robot se lance en trajectoire. C'est un cobot, je l'arrête, toute sécurité, 15 kg d'effort, c'est l'effort maximum autorisé là sur-dessous, on peut le baisser, il y a des seuils, je veux le redémarrer, 1, 2, et mon robot va reprendre son cycle. D'accord. Je génère un départ cycle avec une double pression sur mon bras. Donc là, le robot, j'ai appris 3 points, et je peux prendre un nuage de points également. Et le nuage de points, ça se passe toujours avec la base des icônes ici. Je vais chercher un icône que j'ai par exemple au milieu. J'ai une page d'interface qui s'affiche. Toutes les actions qui sont un peu particulières de setup qui nécessitent un peu d'explication sont toutes équipées d'un tuto intégré dans la tablette. Vous êtes guidé en permanence dans ce que vous voulez faire, soit par des photos ou du texte, soit par du GIF. Donc là, je vais prendre mon robot. Je démarre mon enregistrement de trajectoire. Vous allez voir sur la tablette, il y a un curseur qui avance, qui enregistre tous les points. Je vais pouvoir séquencer tous les petits millimètres, le nombre de points que je veux faire. Là, j'ai enregistré ça. Ma trajectoire se génère et le profil apparaît également sur la partie graphique. Ce qui permet que si j'ai intégré ma pièce, par exemple, sur un profil de trajectoire des bavurages, si j'ai intégré le 3D de ma pièce dans la visualisation, je vais voir le profil apparaître et coller sur la pièce réelle. Je veux valider ça, je verrouille, je vais ici et je fais run. Et mon robot va repartir et va répéter cette opération-là. Hop. Pour ça, Fanuc a également développé tout un tas de blocs fonctions pour faciliter la vie. On a directement au niveau programmation des blocs fonctions pour la palisation, pour la soudure. On pourra les détailler après ensuite, si vous voulez, sur l'autre robot. Je vais avoir sur des visions de vision, si j'ai ma vision intégrée comme là on a ici, on a une vision 2D, ou on a là-bas une vision 3D. Vous avez toute la partie vision directement disponible en icône également. Le but est vraiment de faciliter la vie et d'avoir tous les templates directement générés sans avoir à les écrire. Si on prend l'icône palettisation, vous pouvez spécifier le nombre de couches, le nombre de lignes et colonnes, et automatiquement il vous crée la boucle et le compteur pièces directement sur l'interface et vous n'avez pas besoin de le faire. Mais à tout moment, comme je disais tout à l'heure, je peux basculer en mode expert, et si je suis dans le mode expert, ben je retrouve ma trajectoire traditionnelle que je peux modifier et ça modifie toujours dans l'un et dans l'autre. C'est une interface, je choisis, c'est une visualisation, c'est une page de programmation différente. Donc là, ce que je vous invite, je vous ai montré quelques petits trucs. Il y a les robots qui sont disponibles, mes collègues aussi, moi, j'en descends aussi, si vous voulez. Et si vous voulez qu'on approfondisse les choses, je suis à votre disposition. Des questions. Eh bien, avec des fonds.